En déplacement à Adjoun, l'Autopopo s'est contenté d'un nul 2-2 face à l'ASVO. Ce dimanche, l'Autopopo a échappé de peu à une défaite en difficulté. Dans les 45 premières périodes, le leader a fini par céder à la 16e minute sur une réalisation de Michael Assogba. Dès l'entame de la seconde période, Faisal Bashir égalise. Ils prennent l'avantage grâce à une réalisation de l'international U20 Imran Hassan à la 67e minute. L'Autopopo acculé sera rattrapé dans les 10 dernières minutes sur ce pénalty. Un premier coup d'arrêt pour le leader qui est tout de même toujours invaincu depuis le début de ses playoffs. L'Autopopo perd 2 précieux points et laisse Coton FC revenir à 3 points au sommet du classement. Les Hippopotames de l'ASVO sont 6e avec 7 points.